das Interesse an erneuerbaren Energien in Marokko resultiert im Wesentlichen aus zwei Gründen. Einerseits sieht man, ahnt man, dass man tatsächlich gute Potenziale hat. Das wird ein Stück auch gestützt durch die ersten Windparks, die man ja realisiert hat mit ausländischer Unterstützung. Wir haben selbst in der Studie mal untersucht, was die Potenziale von Wind und Sonne und Biomasse in Marokko sind. Ergebnis war grosso modo, dass das technische Potenzial Marokkos, um sich mit Strom zu versorgen, den Faktor 2000 gegenüber dem jetzigen Verbrauch ist. Zweiter Aspekt, das Thema Klimawandel, die Konsequenzen, wenn man es wirklich durchdenkt, die werden fundamental sein. Die Kernfrage ist immer wieder, und ich stelle sie durchaus gerne auch, obwohl ich weiß, dass die Antwort oft genug unbefriedigend ist. Schlicht und ergreifend, bezahlen wir heute etwas mehr oder morgen ganz viel? Comme vous le savez, en tant que pays du Sud, nous ne sommes pas les responsables des changements climatiques. On sait que les principaux responsables sont les pays du Nord, qui ont, pendant plus d'un siècle ou plus, émis beaucoup de gaz à effet de serre. On en vit les conséquences aujourd'hui. On en subit les conséquences au Maroc. Nous, on est prêts à être proactifs dans ce domaine, mais il faut nous aider. Et ce qui manque en Afrique subsaharienne, c'est surtout le réseau électrique. Donc les infrastructures nécessaires pour pouvoir injecter de la puissance. Comment garantir un service énergie dans les foyers africains quand ils sont isolés? Nous avons le plaisir de vous accueillir dans nos bureaux. Nous sommes à Marrakech. Nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Nous travaillons particulièrement sur le solaire photovoltaïque, la production d'électricité à partir du soleil dans différentes applications. Une de nos spécialités, c'est l'installation de pompes solaires à partir d'énergie, donc toujours photovoltaïque. Parmi les projets intéressants que nous avons réalisés, il y a un puits communautaire que nous avons équipé d'une pompe solaire qui se situe à 1800 mètres d'altitude dans le Haut Atlas. Les conditions de vie dans le Haut Atlas au Maroc sont très très difficiles. Elles n'ont rien à voir avec les conditions de vie urbaines comme ici à Marrakech où on a facilement accès à la fois à l'éducation, à l'eau et à la santé. Faciliter l'accès de l'eau à la famille a plusieurs impacts. Il y a l'impact direct de l'accès à l'eau qui est fondamental, mais il y a aussi le fait qu'en facilitant l'accès du village à l'eau, on va libérer du temps pour les femmes. ورجلت لي توالا غمخلي اطروح حتى ومطروح الشغل كاين دار كي لنا تلهو ديس الحمام ركش من متنا على دغيا في نمان ماشي زين غمخلي اللي غتا ومتا Ja, so.